Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement, et je te souhaite une bonne vidéo à toi. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Archi, comment ça va? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin découvert une porte rouge. Enfin, parce que ces portes, elles mettent une plombe, on sait pas où elles spawn exactement, on a quelques endroits, mais c'est aléatoire. J'ai enfin trouvé une de ces portes, on va aller découvrir un petit peu ce qu'il en est. Je vais juste arrêter ce bruit-là. On va rentrer sur cette porte-là, hop là, si on ça. Ok, il faut faire carré pour ouvrir cette porte. Aïe, 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 enfin les amis, enfin trouvé cette foutue porte, on a enfin le secret de Warzone saison 4 depuis le temps que je cherche, comme je dis. J'ai fait 3-4 fois le tour de la map, alors on va y rentrer dedans. Oh, c'est stylé, hein. C'est quand même stylé, les amis. Alors, je vais vous montrer juste où je suis avant toute chose. Parce que je sais pas ce qui va se passer, si je vais changer d'endroit ou quoi. Alors là, je suis ici, à côté de l'aéroport. Vous avez une maison, vous avez deux maisons ici. Et c'est celle en L. Ici, vous rentrez dedans. Ouf, j'ai eu peur. Vous rentrez dedans et vous avez cette porte, cet emplacement là, ici. Je vous ferai prochainement une vidéo pour vous montrer les emplacements que j'ai pu trouver et qu'on a pu trouver avec la communauté en général, pour vous dire exactement où vous pouvez les trouver. Donc les amis, je pense qu'on va partir tout de suite pour le secret. C'est stylé les amis, c'est stylé. On a été téléporté à Promenade et on a deux coffres légendaires. On a une porte, ah on est à Promenade. On va ouvrir ça, on va ouvrir ça. Oh, c'est stylé, qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, on va fermer ça. Dans le doute. Hop. Drone amélioré, on a une télé ici qui grésille. On a, ok. Alors, traitors, are you enemy? Ok, on a un visage d'un mec en disant que c'est un traître. On a une caméra, une salle d'interrogatoire. On dirait, bah, on dirait la salle qu'on a dans le goulag. La cahue. On va se prendre ça, on a du bon petit loot ici, hein. Hop, on va se mettre ça. Ok, il y a un mec à côté, il y a deux mecs à côté, on est en duo, hein, je rappelle. Oh les amis, c'est pas mal du tout ça. Et je pense qu'il y a plusieurs portes dans la map qui spawnent en même temps. Là, donc on est arrivé où on est arrivé? On est arrivé ici. Est-ce que... Et donc on peut arriver ici par le... Ben, on peut trouver la chambre, je pense, de l'autre côté sans avoir à prendre la porte. Donc, où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé ici. Donc, on a deux coffres légendaires. Et on a quelques trucs intéressants. Ok, le drone amélioré, franchement, qui tombe, est assez cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À part ça, on va fermer la porte, voir si on n'a pas d'autre chose. Non, on peut rien faire. Oh, les amis! Enfin une porte! Enfin une porte! Comme je l'ai dit, j'ai galéré. J'ai galéré à trouver cette porte. J'ai fait pas mal d'endroits. J'ai fait énormément de positions. Où possiblement elle pouvait être cette fameuse porte rouge. Et je l'ai enfin trouvée dans ce, comme j'ai dit, hein. Je vous répète où elle était. Elle était dans le gaz là pour le coup. Elle était ici. Ici elle était dans la zone à côté de Airport. Juste dans la maison à gauche ici. Donc si vous avez une chance, vous pouvez trouver, vous pouvez aller chercher par là-bas du moins. J'ai pas pris de la caillou au final. Il y avait deux mecs dans le bâtiment. Donc je suis en duo parce que c'est beaucoup plus simple d'aller les chercher en... D'aller chercher en hélicoptère. Donc comme je vous ai dit, il y a moyen, c'est plus simple d'aller, enfin, vous aurez une vidéo qui vous montrera où sont ces portes là. Alors attendez, je vais quand même aller rechecker dans cette chambre là. Il n'y a rien par ici. Mais what? Ah je peux pas, ah si, ok. Ok, d'accord. L'arme est buggée. On a quoi? On a un poste de... C'est un défibrillateur, ça? C'est l'air d'être un défibrillateur. Est-ce qu'on a des choses à récupérer par ici? Donc, on a beaucoup de cassettes. J'ai une lumière, donc c'est plutôt cool. Oh, fait peur, c'est cette satellite qui rentre dans l'atmosphère. On est dans une pièce de médecine. De torture, plutôt, mais il y a pas mal d'objets de médecine. Et là, on interroge les gens... Non, il n'y a rien. J'appuie sur carré un peu partout pour voir ce qui peut se passer. Est-ce que si je monte sur la chaise... Non, il se passe rien du tout. Il n'y a rien au plafond. C'est quoi ça?
Non, il n'y a rien au plafond. Bon, eh ben apparemment, il n'y a pas plus de choses que ça. Hein. C'est juste une chambre. Une chambre où l'on peut... Ben, où on a quelques petites choses. Oh merde, attends. Le gaz... Non, le gaz a arrêté d'avancer. Ok, tant mieux. Bon, petit goulag et ensuite on parlera un petit peu. Alors attendez, je me concentre 2 secondes. Il est là. Putain, merde, à un moment donné. Bon, comme je dis, vous aurez une vidéo prochainement sur toutes les sur tous les emplacements que vous pouvez trouver une porte rouge. J'en ai trouvé une, franchement, je vous dis, je suis super content parce que je vois énormément de personnes qui essayent d'en chercher, enfin qui en cherchent et qui galèrent à en trouver. Alors, et après la question, on ne sait pas grand-chose sur ces portes-là. On ne sait pas s'il y en a plusieurs. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs par map qui spawn. On va aller chercher un petit peu Farmland. On va aller plutôt checker vers ici. Ouais. On sait pas exactement ce qui se passe avec les portes. Est-ce qu'il y en a plusieurs par game? Est-ce qu'il y en a qu'une? Ah, cette porte a été condamnée, tiens. On n'en sait pas plus. On sait pas à quoi elles servent exactement, à part se téléporter à quelques endroits, mais... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va quitter ça en tout cas. Comme vous pouvez le voir, on a trouvé, enfin, on a trouvé une porte rouge, comme je dis. On ne sait pas tous ces portes-là, on ne sait pas exactement tous les emplacements, mais prochainement, dès que je saurai tous les emplacements où l'on pourra trouver une porte rouge, je vous ferai une vidéo pour vous les expliquer un par un et pour vous les montrer, pour vous aider à en trouver le plus facilement possible. Je tape dans le micro, c'est génial. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu trouver enfin une porte rouge et enfin pouvoir faire le secret de Verdance de Warzone saison 4. C'est vraiment très cool. Comme je dis, il y a énormément de personnes qui en cherchent, donc j'en ai trouvé une. C'est plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Également, à vous abonner pour tout ce qui va arriver très prochainement avec les tutos Goulag, les tutos Goulag, tutos pour savoir où trouver les portes rouges. Énormément de choses qui vont arriver. Le zombie qui arrivera très prochainement. Donc, énormément de choses qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour tout ce qui va arriver très prochainement. Moi, j'ai rejoint pour nous la vidéo. Allez, ciao tout le monde. Clarifiez votre situation. Oui. J'ai un problème. Vous le résolvez. Et évitez ainsi le destin de vos collègues. La constellation de Jumpseat émet sur des fréquences que j'aimerais libérer. Vous allez désorbiter ces satellites. Oui. L'écrasement au sol aura lieu aux coordonnées qui se trouvent juste devant vous. C'est terminé. Bien. Nous aussi. Avec Perseus, les procédures standards ne servent à rien, fiston. Alors, on a récupéré l'enregistreur de données? Non. Il a dû être détruit au retour. Vous ne comprenez pas cette guerre, pas vrai? Stitch est capable de tout. Sécurisez la zone.